je vais finir les slips pour ce soir. Super bien dormi sur le matin. Non, c'est lisse, mais pas dur. Non, mais tu es. Il y a trois tracés. Tu skis en libre au milieu. Là, normalement, ça n'a pas attaqué. Tu skis en libre là au milieu. Apparemment, j'ai passé du temps. Maintenant, c'est vrai que c'est une piste qu'on n'a jamais faite en course. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais être sûre de là où j'allais aller. Et puis, bien les lignes et tout ça. Après, il y a aussi beaucoup de monde sur l'arco des championnats du monde. Voilà, il faut se faire un peu sa place. Des fois, il faut patienter un peu pour avoir le temps de voir la bonne ligne. Et j'avais pas envie de me précipiter. We are talking to each other, man. It feels like we are talking to the wind. Because you were just words adrenaline. And I won't understand a single thing. I want to give you a compliment. But you would just see it as an offense. There's no sense, there's no sense, there's no sense. Being myself, second person that I am. Je suis très déçue, je suis un peu triste de la soirée, comment elle se termine. Après, ben voilà, il y a des moments où on se dit waouh, on est quand même au championnat du monde, c'est aujourd'hui que j'ai envie de skier le plus vite, c'est aujourd'hui que j'ai vraiment envie de faire la course de la saison. Et puis ça nous met un peu de stress. Puis il y a des fois où on se sent bien, on se dit mais c'est génial, on est là, on a envie de jouer, on a la possibilité, on a les, ouais, moi je sentais que j'avais vraiment les armes pour aller chercher une médaille. Donc voilà, de l'excitation, du stress, et ça fluctue un peu tout au long de la journée, mais je me sentais plutôt bien dès que je suis montée sur mes skis, dès que je suis un peu active. Moi je me sens assez bien normalement, et c'est vrai que c'était le cas aujourd'hui, même à la deuxième manche. Après, ben voilà, des fois ça arrive de passer à côté, malheureusement, sur une journée comme ça, ça fait un peu plus mal. Là maintenant tout de suite, j'ai envie de passer un coup de fil à mon chéri. J'ai envie d'être chez moi en fait. C'est vrai qu'on est parti depuis quand même un certain temps, et la pression a fait que grandir, et c'est vrai que les deux semaines ici sont hyper sympas, mais sont aussi assez pesantes. Et là je sens que bon, après ma course en plus avec de la déception, ben il y a un peu tout qui relâche, et c'est vrai qu'on a envie d'être chez soi dans son canapé, à se reposer un petit peu.